بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي، وعلى اله واصحابه واصحابه اجمعين، <applause> اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب مختصر القدوري رحمه الله تعالى، فوصلنا ونكمل في Kitab euh, Al Bay' Al fasid Nous continuons dans le livre du Muqtasar Al Qudouri, dans le sujet de la vente défaillante, la vente Facid. Nous sommes arrivés euh, à la parole au sujet des échéances qui sont inconnues, qui vont rendre le contrat défaillant. Faqala, Rahimahullah, Wal Bay'u ila Nairuz wal Mihrajan. La vente à Al-Nairouz, la vente qui est, euh, qui est euh, échéancée, sur laquelle il y a euh, l'échéance de nairouz ou Al-Mihrajan, ou le jeûne des chrétiens, ou la rupture euh, des juifs dès lors que cette date-là, cette échéance-là n'est pas connue, par les deux contractants, la vente est facile en raison de, euh, de l'ignorance, de la méconnaissance, de du délai. nairuz, c'est le, le premier jour de... c'est le premier jour des, des jours du printemps, le premier jour du printemps et Al-Mihrajan, le premier jour de, de, du point de vue de l'automne. Il a conditionné ici le Cheikh Al-Quduri, rah rahimahullah, par la méconnaissance de celle-ci, c'est-à-dire si on a fixé une échéance à ces euh, situations-là, à ces événements-là, dès lors qu'il y a méconnaissance de celle-là, il peut, maintenant peut-être, certaines dates peuvent être plus précises et connues, alors ce sera valable, ce sera comme si on a dit à une date, à telle date, à partir de maintenant, dans une semaine, dans deux mois, ou dans trois mois. Mais si cette date-là, cette échéance-là, elle est inconnue, parce qu'il peut y avoir une, un décalage de certains euh, jours, alors la vente est facile. Également, il n'est pas euh, valable, il n'est pas permis de... Euh, la, la vente n'est pas permise On euh, en lui mettant comme échéance les récoltes, par exemple, ou le, lorsque le, le blé est séparé de son épi, ou lorsque les pèlerins reviennent du Hajj. Ça aussi, c'est des échéances qui sont inconnues. Donc, la vente est facile. « Fa'in al diyas wa qabla Si les deux, c'est-à-dire que dès lors que les contractants, ils ont, fait cette, ils ont mis cette condition, et que cette condition-là, on a vu que cette échéance-là est inconnue, la vente est facile. La vente est facile Maintenant, il mentionne que s'ils se sont mis d'accord sur l'annulation de cette échéance et que cette annulation elle est intervenue avant donc que les gens ont euh, fait ces récoltes, ont séparé ce, le, le, le blé de l'épi avant que les pèlerins reviennent, alors le contrat est maintenant jaiz, il est valable. C'est-à-dire que la vente elle, est, elle, était du, du, de, de, elle était au départ facile, mais maintenant elle est devenue Elle est devenue valable. Elle est devenue valable complètement. Oui. al

par le contrat de vente facile, le, la marchandise ne rentre pas dans la possession de l'acheteur tant qu'il ne l'a pas réceptionnée, tant qu'il ne l'a pas récupérée. Donc, maintenant, si l'acheteur il a récupéré, il a pris en possession, il a euh, pris possession de cette marchandise dans cette vente qui est facile, euh, après la permission du, du vendeur. Et dans lequel il y a un contrat qui concerne deux choses qui, qui sont toutes deux considérées comme un mal, comme un bien ayant une valeur marchande, alors on a vu que l'acheteur, euh, ou que plutôt, cette marchandise rentre dans la possession. Et qu'il a l'obligation, il doit la valeur, il ne doit pas le prix qui a été fixé. Il y a une différence entre la valeur de l'objet et le prix qui est fixé. Des fois, la valeur de l'objet peut être supérieure au prix qui est fixé et inversement. Et lorsqu'il a dit <messant> ⁇ <messant> euh, et à chacun des deux contractants de l'annuler, c'est-à-dire ⁇ et il est sur eux, c'est-à-dire il est obligatoire sur eux de, euh, de annuler ce contrat. Les deux contractants l'obligation d'annuler le contrat. s'il si n'a pas été fait, les deux sont de, de désobéissants tombent dans le péché par le fait de ne pas l'avoir annulé. En fait, mushtari, <familles> si après l'acheteur lui, il a fait un, un autre contrat devant toi, il a revendu cette chose-là. alors le, la vente est euh, c'est-à-dire la, la vente est actée. La vente est actée. Maintenant, s'il a regroupé dans la vente une personne libre et un esclave, une bête qui a été, une brebis qui a été égorgée et un cadavre, ensemble, pas, et ce n'est pas qu'il a fait deux ventes séparées ou en disant... Plutôt pas de deux ventes séparées, mais en disant euh, le, la brebis égorgée à tel prix et la maïta à tel prix. Non, les deux, il a vendu ensemble. Alors la vente est bâtle, la vente est invalide de base. « Wa in jama'a bayna abdin wa mudabbarin, <laughs> aw bayna abdihi wa abdi ghayrihi, sahhalaqdu fi al-abdi bi hissatihi min al-thaman » Non. Maintenant, s'il a réuni dans la vente entre un esclave qui est euh, un esclave et un esclave qui est Moudabbar, c'est-à-dire qui est... Qui est dont, dont le maître a, a, a dit qu'il était libre après son décès, après le décès du maître, ou entre son esclave à lui et l'esclave d'un autre, alors le contrat euh, pour l'esclave... Pour l'esclave, à son, à, de, 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 de son prix, euh, la valeur de son prix, le contrat est valable. Le contrat est valable pour l'esclave à la valeur de son prix. min al bayr Par cela, on a on a fini, on a achevé le chapitre de la vente qui est fasid. ثم بعد ذلك سنتكلم عن البيع المكروه نعم. البيع المكروه هي المكروه نعم هذه البيوع صحيحه لكن في ذاتها في ذاتها لكن مكروهه في الاوصاف Par la suite, on va qui sont valables mais qui sont macro qui sont détestables, c'est-à-dire qui sont valables, qui sont licites, qui sont valables en soi, mais dont les, euh, dont le, euh, les caractéristiques ou les, euh, la situation fait que elle est détestable.